styles in fashion. Par le pouvoir du Tout-Puissant. Honorable, conférant généreusement honneur aux créatures d'être couvertes par sa mansuétude en étant comptée parmi ses serviteurs bienheureux, le généreux donateur, notre maître à tous, juste et patient dispensateur des sciences et secrets de l'univers, celui-là même qui nous conféra la guidée requise afin que nous nous éloignions de tout abstrait suivisme pour que le respect conféré par l'amour propre assoie définitivement les bases de notre unique originalité qui nous démarqua et fit de nous-mêmes notre propre marque déposée, distinguée et distinguable entre toutes, Seigneur. Nous nous inclinons et une fois de plus présentons nos respects et marquons notre reconnaissance. Que mes vénérables ancêtres soient salués et remerciés, de même que nos familiers anges, esprits, guides et honorables maîtres nous ayant fait l'honneur de nous compter parmi leurs chanceux disciples. Vous également, nous demeurons reconnaissants pour avoir pris soin de nous montrer comment pérenniser le joyau de l'originalité conférée par la divine providence dans le mouvement de nos vies. Je salue enfin l'ensemble de mes frères et sœurs, compatriotes et camarades de lutte, unis dans l'adversité, l'orientation vers la saine aspiration libératrice, en espérant que la vie se dévoile à vous en toute vérité et clarté, pour que vous ne manquiez pas d'y poser votre empreinte dans l'originalité qui caractérise chacune de vos individualités. Notre propos du jour sera articulé aujourd'hui autour des notions de style et de mode qui occupent une place importante dans nos vies, malgré le fait qu'elles soient moyennement ou pas du tout appréhendées selon le bon angle, en raison de divers facteurs qui sont intervenus dans le cours de nos vies durant toutes ces années et ont fini en fait de définitivement brouiller l'esprit de ces certains, de la plupart d'entre nous pour être honnête, et faisant qu'on est un peu ballotté dans tous les sens en ce qui concerne nos choix de vie autour de ces deux aspects. Nous en parlons donc à juste titre. If you're wicked in the life, but we try, we can make it better. I know we can make it. If you're wicked in the life, but we try. Oh, me and myself, me and myself. I don't want to cast for feet and day. And we can go to the big mountain. Nous en parlons à juste titre, car l'histoire récente, voulue
que le commerce, dans sa phase finale de manifestation à l'époque dite moderne, se caractérisa par le recours à l'identification par le branding. Cela concourut à enchaîner mains et esprits sur la durée, sous faux couvert de fidélisation par usage et abus de tout type de techniques, allant de l'hypnose aux récentes formes connues et méconnues d'ingénierie sociale. Il en résulta le fait que les hommes perdirent de leur humanité en s'éloignant ou mettant au second plan le caractère utilitaire allant de soi de l'usage des biens et services. Them treat me bad, yet me still I give. Yeah, that's true. Them one man die, but me still I live. Them treat me bad, yet me still I give. Never. Donc ils ont perdu de leur humanité en s'éloignant ou mettant au second plan le caractère utilitaire allant de soi de l'usage des biens et services pour rechercher toute autre chose dans un vide imperceptible rempli par vide conformisme trompeur pour créer une illusoire valeur là où il ne s'en trouva point et ainsi perdre l'âme des gens égarés par la main dans ce brouhaha consumériste. Pour parler plus simplement, et non pas nous lancer dans une critique vide de toute substance, je vous renverrai pour plus d'informations à l'étude du contexte et de l'apparition du marketing et de la publicité par extension, dont la sérieuse analyse vous apprendra beaucoup sur vous-même, mes amis, côté esprit, subconscient, subliminalité des messages captés, et sur la trajectoire que prirent les sociétés sous l'angle de ces axes, de ces deux axes objets du sujet du jour, suffisant à souhait pour expliquer les autres pans de la société capitaliste à travers l'orientation voulue des personnes vers un certain style de vie consumériste au-delà du raisonnable et donc sans âme. Car, mettant l'homme au sens propre du terme, au second plan, la libération, voyez-vous, passe aussi par l'affranchissement de l'être du conditionnement orientant ses préférences et choix d'achat, qui, on peut le constater, ne se font pas dans la neutralité objective qui sied à tout saint choix raisonnablement effectué. Je constate pour ma part qu'en totale perdition, les hommes sont ballottés d'une tendance à l'autre dans la succession de saisons elles-mêmes instaurées pour autant de fallacieuses raisons et dirigeant le troupeau de moutons dans les prairies arides de la consommation de masse pour être tendus de toutes leurs précieuses fourrures et renvoyés à leur étable le ventre vide car n'ayant pu avaler que du vent à l'aller et au retour tout en n'étant point protégés en chemin des loups de grand chemin. No way the struggle feel like they don't know. Why come money is struggle for me? Why people put in our money? No way the struggle feel like if you tell you how deep it has stayed.
Mes amis, je vous conseille humblement de faire attention à ce que vous consommez, ce que vous mettez sur vous-même et installé dans vos foyers, ce sur quoi vous portez exagérément votre attention avec une si particulière envie de paraître pour ce que vous-même ne comprenez pas ou plus du tout. Nuovo di vita ste welcome si mumi a show song you want to put food in a money plate. Mi fitelli di vita ste. La valeur, voyez-vous, vous ne la trouverez pas réellement en dehors de vous-même, même s'il demeure admissible que les individus évoluent avec et dans leur temps. Le problème étant que la mesure cède place à la démesure. L'individu réveillé et raisonné sait que c'est lui qui valide la beauté des choses dont il se pare. Car, étant non écarté de son essence réelle, de sa présence d'être et d'esprit, de fait libérant la créativité saine qui lui confère son originalité propre. Il s'exclut dès lors de toute cette masse identique en tout point et, point dérangé par cette fade généralité vue, que l'inversion du raisonnement contribua à la déplacer de l'utile et de l'authentique, à l'absurde inutilité de l'éphémère sensation d'exister, matérialisant le caractère addictif, requérant la prise de doses complémentaires pour la saison suivante ou les prochaines, tant attendue période de solde. Je vous laisse, mes amis, méditer sur le sens de ces phrases, car nous ne sommes en rien motivés pour imposer une quelconque manière de penser ou d'agir et respectant tout le monde. Nous jetons juste un pavé dans la mare de nos interrogations existentielles, sans entrer dans les détails, afin qu'il soit loisible à tout un chacun de questionner le questionnement que suscita notre propos du jour, car c'est ainsi que les personnes raisonnables et avancées font. Elles s'interrogent et interrogent, posent des questions et se remettent en question pour avancer. Puisse-t-il donc nous être permis dans notre ambition de nous élever en tant que peuple, d'avoir le courage de nous poser les bonnes questions et le flair et l'intelligence d'apporter les bonnes réponses et solutions. Garder l'essentiel et nous délester du poids du dangereux superflu, afin que nos propres styles et manières contribuent à nous faire nous démarquer en toute originalité donc, par le pouvoir du Tout-Puissant. Your member of Free Spirit, once again a song for the strict benefit of the community, as usually, especially for those who aim to become advanced people. And by the way, make sure the upcoming one stay on that line, the one and only required by the power of the Almighty God. Peace and love, your main group, Free Spirit.